me tire pas la langue à Dibou, c'est très étrange. Salut à tous, c'est Noxferan, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Adibou et l'ombre verte apparemment, ou plutôt Adibou tout court, puisque maintenant il n'y a plus d'ombre verte. Ou c'est Adibou et le crabe vert, pas content. Ou c'est Adibou et Kikouk. Bref, on est de retour cette fois, maintenant qu'on a sauvé Kikouk des griffes du lave-vaisselle. Et ben on peut enfin être en vacances, merci. Et donc être en vacances ici, ça signifie planter des fleurs, notamment. Voilà, donc à tes souhaits, c'est tout ce que je fais apparemment. Je mets des fleurs un peu partout. On a déjà une fleur, c'est type à beau tout ça, une fleur rouge. On va mettre un peu partout pour que le potager, ou plutôt le jardin, soit magnifique. À tes souhaits. Et voilà, on en a des bleus, des blanches, des pas mûres. Et... oh, ça rame un peu. Ouah, ok. Allez, Robotoc ou je sais plus quoi là. Montre-nous de quoi tu es capable. Voilà, salut. Ok, donc là on voit à peu près toutes les fleurs qu'on a qui sont pas génialissimes. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu fais? Hein? What? Qu'est-ce que ça fait? Au revoir. Tu l'as fait disparaître, donc c'est ça? C'est juste pour les faire disparaître? Genre je peux enlever la bleue là-bas? Mais qu'est-ce que tu as dans ton corps? C'est un peu bizarre. Bref, on voit toutes les fleurs, c'est magnifique, c'est tout ce qu'on a. Je sais pas si on peut en avoir plus. Tu veux quitter le jardin? Alors n'oublie pas de revenir bientôt, sinon les fleurs risquent de faner. Oh non, tu vas me stresser pour ça. C'est ça, hein? Faut que je m'occupe des fleurs, sinon je vais échouer la mission. Allons au potager. Parce que je tiens à préciser quand même que on a sauvé Kikouk, ce qui veut dire qu'on peut faire à manger, et on peut enfin manger. On peut faire des gâteaux, de la pâtisserie, mais pour ça il nous faut des ingrédients, je pense. Tu vois ici, tu peux faire pousser toutes sortes de choses, des carottes, des épinards, des tomates, et même des fraises. Si tu n'oublies pas d'arroser et de récolter à temps, fruits et légumes te serviront pour des super recettes de cuisine. Et si tu plantes du blé, tu pourras t'en servir pour apprivoiser les oiseaux. Allez, mets tes bottes, prends ta bêche et en avant, petit jardinier. Mais attendez, tu m'as dit des fraises. Oula, ce regard me fait Arrête ça, Adibou. Mais tu m'as dit des fraises. Tu m'as dit du blé, mais j'ai rien de tout ça. J'ai que des tomates, de la salade, on dirait. À moins que ce soit des épinards. Je sais pas. Bon, on va planter tout ça, mais... on a un petit problème, c'est que... il y a de la place, là. C'est vide. Et je parie qu'il nous manque des graines. Et... je sais pas... bon. Arrose au moins ça. Mais non, je vais pas m'occuper de ces graines, c'est bon. On est en vacances maintenant, ça sert à rien de chercher à droite à gauche des graines fantômes qui n'existent pas. On va les laisser. Et puis on va ignorer tout ça. Ça y est, ça a poussé? Non, pas encore. Ça pousse très vite quand même. Je sais pas ce qu'il a mis dans l'eau, le robot, mais... waouh! Let's play, regardons l'herbe pousser. C'est pas trop mal ça. Ça vous va, j'espère. Parce que c'est ce qu'on va faire pour les 3, 4, 5 prochains épisodes. Allez, c'est parti. Wahoo! Regardez, Adibou, il est tout excité à l'idée de regarder les plantes pousser. C'est merveilleux. Mais. Oh non, il y a mon. Adibou, arrête de faire le clone. Il y a mon esprit de completionniste qui me dit d'aller chercher les graines qui manquent. Mais ça va me prendre des heures de savoir où elles sont. Je sais même pas où les trouver. Non, faut que je résiste. Faut que je... remets une carotte, tiens. Voilà, mets des carottes. C'est magnifique. Ah, faut que je résiste. Résiste, Nox. Ne me regardez pas comme ça. J'ai pas pu résister.
J'ai passé 3 heures à chercher ces graines. Arrête de rire, toi. T'es content que je souffre, c'est ça, hein? Ouais, regardez-le comme il est heureux. Ah, j'ai refait 3 fois, voire même 4 fois. Je sais même plus combien de fois j'ai refait l'intégralité de l'aventure pour trouver ces graines. Et tout ce que j'ai trouvé, c'est la graine de blé. J'ai même pas trouvé celle de fraise. Je sais même pas où elle se trouve. Je sais même pas comment la voir. Je sais pas si elle existe. Je sais pas. Tout ce qui peut me donner un soupçon d'espoir, c'est ce trou là, cet espace vide ainsi que là qui pourrait se planter. C'est Adibou. Quand on est en vacances, on est censé pouvoir se détendre. Mais là, je me sens comme une obligation de compléter ce jeu qui n'en a même pas besoin. Tiens, récolte donc ces carottes. Et tout ça pour faire des gâteaux en plus. Ok, ça rame un peu quand tu récoltes, on dirait. Ah ouais. Et toc, à la cuisine, les belles carottes. Bon. Bon, on n'aura pas de fraises alors. On pourra pas faire de gâteau à la fraise alors. Tant pis pour ça. T'as qu'à faire pousser un peu le reste, tiens. Parce qu'on va tout récolter ici et puis après on ira, je pense, faire un tour à la cuisine. L'endroit le plus important de ce monde, c'est la cuisine. Ouais, merci pour ton aide. Merci de calciner et de faire brûler toutes les tomates en passant dessus avec ton réacteur. Hein, parce que c'est une bonne idée, hein, de mettre du feu si près des plantations. Et je suis étonné d'ailleurs qu'il faille pas que je les récolte une par une à chaque fois. Récolter les tomates, direction la cuisine, et toc. Yep. Allez, vas-y. Maintenant, on fait en mode speedrun. Allez, c'est parti. Et... C'était rapide, faut l'avouer. Hey, tu me tires pas la langue, toi. Regarde. Regarde comme tu es muet. Ouais. Oh, je t'ai coupé dans ton rire. Allez, récupère ça. Boum. Waouh, c'était magnifique. Oui, tu as du blé. Allez. Et voilà du blé Hein? dans la cuisine pour les oiseaux. Et toc. Pourquoi dans la cuisine pour les oiseaux? Pourquoi pas le mettre directement pour les oiseaux? Bon. Je t'ai dit de partir. On sort du potager, Yep. comme tu veux. Mais pense à revenir bientôt pour t'occuper des plantations, d'accord? Bah, ces sacs ne bougeront pas. En tout cas, je pense. Les graines à l'intérieur semblent flotter mystérieusement quand on les récupère, mais à part ça, bon. Ça veut dire que je peux mettre du blé là-dedans, là, dans le la maison à Zozio. Zozio. Tu vas le faire? Ah, impeccable. Tu fais de la musique, toi, quand tu bouges. Mon Dieu, tout ça pour ça. Il s'est même pas assis, j'allais dire, ça s'est vidé tout seul. Du coup, ça fait quoi? Vous avez mangé? Oh, oh. What? Depuis quand t'as des cymbales dans les ailes, toi? Vous faites du bruit, hein, en piaillant comme ça. Bon, et maintenant? C'est tout? Oui, Adibo, qu'est-ce que tu vas dire? Tiens, tiens, il se passe quelque chose du côté du nid. Ah Tu bon? viens? Allons voir ça de plus près. Ah, parce que tu veux les espionner en plus, t'es comme ça, toi, c'est un stalker, Adibo. What? Ok, d'où vous sortez? D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Mon Dieu. Oh waouh, c'est comme ça qu'ils font des bébés? Et pourquoi il y a un périscope dans l'œuf? Mon Dieu. Ça fait peur. What? Non, c'est pas possible ça. C'est alien ce truc, c'est pas possible. Il y a un oiseau qui sort du corps d'un.
Je sais même plus quoi dire. Fantastique! Un bébé oiseau est né! Ouais, bah si c'est comme ça que les bébés oiseaux naissent. Eh bah dis donc. Oh, te v'là. Pourquoi non? Mais si, il saute, c'est comme ça que tu vas apprendre. Non? Bah tu vois, t'y arrives. Oh, sauf quand tu perds tes yeux, bah oui, hein. Et alors? Tu y vas cette fois-ci? Non? Bah alors? Bon bah tant pis pour toi, hein, je te laisse tranquille alors. Oh. Ah bah oui. Un oreiller, bien entendu. Quoi? C'est pas un oreiller ça. Ou alors c'est vraiment l'oreiller suicidaire qui s'est dit « Ah non, je me barre !» Mon dieu, ces oranges ou ces pommes deviennent de plus en plus grosses. Elles sont aussi grosses que ta tête, mon vieux. Sérieusement. C'est pas des pommes, c'est des pastèques. Bon, tu veux toujours pas sauter? T'es sûr, hein? Voilà, ouais. Réfléchis un peu à comment faire. Une corde. Oui, mais encore. Tu vas te pendre, c'est ça? Waouh, je le savais, il va se pendre. Ah, pas comme ça, non. Bah écoute... Encore une. Wow, wow, wow! Toi aussi t'es un alien dans ton corps. Oh mon dieu. Et il s'apprête à sortir en plus. Tu as faim? Bah va manger. Et il est bizarre ton alien. Arrête, ça fait peur. Va manger. Bah. Il y en a combien des scènes comme ça? Je suis en train de me dire, mais... What? Et bah voilà, avec ça tu vas pouvoir voler, non? Ou pas? Ce bébé devrait finir par abandonner, non? Et où est-ce qu'il trouve tout cet attirail? Ce trampoline, les cordes, les... Et pourquoi? Mais what? Oh! Mais tu voles, regarde, tu voles. Ce jeu est d'une logique à toute épreuve. Hey. Eh ben voilà, récolte donc tout ça. C'est des oranges, n'est-ce pas? Des oranges pastèques. Vas-y, va les mettre dans la cuisine. Ok, cool. Eh ben qu'est-ce que tu fais? J'ai rien demandé. Mon dieu, Terminator. Et toc. Voici un cerisier. Ah, donc on aura des cerises maintenant. Bon, on va arrêter de se prendre la tête avec un petit piaf qui peut même pas voler. Il se débrouille très bien avec son attirail d'explorateur et de je ne sais quoi. On va aller au vif du sujet et on va rentrer dans la maison et enfin faire un satané gâteau pour se régaler. Alors voyons voir un peu ce qui se passe dans la maison d'Adibou. Ah, mon dieu. Wow. Et pourquoi tout a des yeux, franchement? Ça m'avait perturbé déjà avant. Et voilà, tu es à l'intérieur de ma jolie maison. Ouais. Et tu peux voir tous mes trésors. Maintenant, à toi de découvrir quel jeu se cache derrière les objets en les cliquant. Bah ça, je vois déjà que ça c'est un casse-brique, mais on y a déjà joué. Ça c'est rien apparemment. Ça c'est quelque chose. Oh, sérieusement, on peut pas faire de peinture ou de trucs comme ça ici? Et toi, qu'est-ce que t'as à dire? Chers auditeurs, bonjour. Bonjour. Vous écoutez Radio Adibou, la radio des petits loups. Il a une radio à lui tout seul. Et maintenant, place à la rigolade. Ah. À la rigoladibou, bien sûr. Monsieur et madame Zikechtopous ont une fille. Comment l'ont-ils appelée? Eva. Oui. Parce qu'Eva Zikechtopous. Oh mon dieu, comment j'ai réussi à... Vous savez, je suis même pas fier de moi pour avoir compris cette blague. Et l'avoir trouvé avant même qu'il le dise. Je suis navré, je... Bon, allons faire un gâteau.
Ok, Kikouk, tu es là, tu es vivant et nous avons du blé, c'est bien ça. D'accord. Bon, les oiseaux viennent manger, c'est bien. Mais oui, vous en faites pas, il n'y a personne. Regardez. Ignorez ce sablier qui tourne autour de vous. Voilà. Ok, hey Kikouk, tu veux bien m'aider à faire un gâteau? Bonjour, bonjour. Je m'appelle Kikouk. Je suis un petit robot cuisinier. Un drôle de marmiton. Je te donne un coup de main en un tour de main. Avec Kikouk, la cuisine, c'est magique. Mais on s'est quitté, on t'a sauvé. Est-ce que tu t'en souviens? On t'a sauvé la dernière fois. Bon, ouvrons ce superbe frigo terrifiant. Et puis voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Mon dieu. Ah, tu vois, tu peux choisir une pâte et ce que tu veux y mettre dedans. Mais attention au mélange sucré-salé et au piment. Hein. Quand tu n'auras plus de fruits, de légumes ou de miel, pense à t'occuper des récoltes. Allez, oh non. À toi de jouer, petit cordon bleu. Petit cordon bleu. Ok, alors on va commencer par quoi? Voyons voir. Ça. On va utiliser... Je suis presque sûr que c'est pas comme ça que ça marche, de mettre une pâte. On balance pas la pâte comme ça dans le bol. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc. Il y a du jambon, pour une je ne sais quelle raison. Des cornichons. Il y a du chocolat, j'aime bien le chocolat. Donc, de la confiture. Du miel. Tac, tac, tac. On va faire... Ok. On va en mettre deux. Du miel peut-être. Ça va être ultra lourd ce que je vais faire. Ultra sucré. Mais honnêtement, bon. Et puis un peu de fraises. Voilà. Est-ce que ça suffit comme truc? Je sais pas. On va voir ce que ça donne. Est-ce que je vais avoir un gâteau au chocolat tout simplement? Ça m'a l'air nettement trop simple. Genre, on dirait juste la pâte. Mais bon. Oh, et on peut mettre des décorations maintenant. Alors, ça va être l'anniversaire de qui, tiens? Happy birthday panda. Happy birthday panda. Happy birthday. Et puis, c'est aussi. Il y a du vent. Et puis, il y a aussi des parasols parce que c'est l'été. Et puis, il y a aussi un Père Noël parce que c'est l'hiver. Et puis, un bonhomme de neige aussi. Parce que pourquoi pas? Et puis il y a ça parce qu'il y a des feux d'artifice et voilà. C'est bien comme ça, non? Oh là là, grandiose ton gâteau avec sa chouette déco. Ah ah, merci. Et maintenant? T'en fais quoi? Oh! Non, c'est mon gâteau. Eh, hey, t'as pas le droit. C'est pas comme ça qu'on mange un gâteau, tu lèches pas juste la pâte. Je sais plus quoi dire. Ça c'est quoi? Mon dieu, j'ai fait un chargement, j'aurais pas dû. Voici les recettes que tu peux réaliser chez toi si tu veux. Ah, clique le gâteau qui te... Ouais, tiens, c'est des vraies recettes de cuisine apparemment. Genre voilà, il y a les ingrédients et tout. Comment le faire? Ah, c'est sympa. C'est sympa, ils nous apprennent à faire des vrais gâteaux. Du coup, on va essayer d'en faire un dernier. Et je sais pas du tout ce que ça fait si on change la difficulté. On va mettre 3. Wow! Qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, bah on va essayer de faire ça parce qu'à l'origine je voulais faire un truc au chocolat. Oh, et ça donne les ingrédients? Vraiment? Ok, bon bah on va mettre... Ah, tu vois, tu peux choisir une pâte et ce que tu veux y mettre dedans. Mais... Oui, tu me l'as déjà dit. Bon, on met ça, voilà, un de ça. Un de miel, j'avais raison. Jusque-là, j'avais raison, sauf la pâte. J'avais pas pris la bonne pâte. 2 barres de chocolat. Ça, j'avais fait aussi les 2 barres de chocolat. Par contre, j'avais mis des fraises. Alors que là, ils mettent des oranges. 3 oranges et 4 cerises. Wow. Parce qu'en plus, il fait genre mixeur, le mec.
Remarque, il y a un peu une tête de mixeur, non? Bon, ça fait 3 oranges. Et 4 cerises. Ouais. 3, 1, 4. Ok. Et maintenant... Voilà des cerises. Il n'y a plus de cerises. Oh, il n'y a plus de cerises. Il va falloir que je fasse pousser des cerises, sérieusement. Bon, tant pis. Ça devrait marcher, là. Non? Yeah! Ça, c'est beau. Ça me donne faim, d'ailleurs. Mais tu sais quoi? Vu que quelqu'un va sûrement me manger là-bas, je vais le couvrir de bougies. Comme ça, il va avaler les bougies en même temps et il va se brûler l'estomac. Ça va être des brûlures d'estomac. Je suis trop drôle. Allez, fais tout ça. Encore une, juste là, voilà. C'est plutôt pas mal comme ça. Oh là là, grandiose ton gâteau avec sa chouette déco. Merci, tu m'as déjà dit ça la dernière fois. Et maintenant, tu vas le mettre sur la cuisine, le rebord, la cuisine. On dirait. Et c'est encore Plop qui vient manger le gâteau. Hey, mon gâteau, il avait pas cette tête là du tout. Et comment tu fais pour faire ce genre de bruit quand tu tombes sur la tête? Tu as une tête en boîte de conserve? Bon, bref. Du coup, je pense que ça devrait suffire pour cette fois. On a fait des gâteaux, on s'est occupé des plantations, tout ça. Et honnêtement, je pense qu'on a fait bien le tour du pays d'Adibou en général. On a complété l'aventure, on s'est occupé des fleurs, des plantations, on a vu un peu l'histoire des oiseaux à côté là. Donc honnêtement, je pense qu'on a fait un peu le tour. Alors voilà, c'était des vacances stressantes, un peu difficiles sur le mental, je dois l'admettre. Et du coup... Oh. Vous savez quoi, c'est une bonne idée de s'éclipser. On va s'éclipser pendant qu'il dort. Comme ça, on n'a pas besoin de lui dire au revoir ni de lui donner de raison pour partir. Parce que je suis sûr qu'il serait assez fou pour nous laisser ici et pour toujours. Donc, les vacances, c'est bien pendant que ça dure. Mais c'est vrai qu'à partir d'un moment, il faut repartir sauver le monde. Hein. C'est un peu notre devoir en tant que panda. Donc, ah mince, il s'est réveillé. Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous écrit un message d'adieu. On va prendre ça pour un message d'adieu. Ouais. Même si c'était que des abeilles. Il devient fou. Faut qu'on s'en aille. Faut qu'on se barre d'ici. Au revoir, Adibou. Parce que... Tu es sûr de vouloir quitter le pays d'Adibou? Oui, 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 tout à si fait. Oui, clique le ballon vert. Avec sinon, plaisir. Clique le rouge. Voilà, oui. Parce que. Il est temps de repartir à l'aventure. Il est temps de repartir sauver des mondes. Sauvegarde être un héros. Ne touche pas à la carte mémoire. Sauvegarder des jeux sur des cartes mémoire aussi. Sauvegarde on fait ça souvent. Terminé. Et donc voilà, merci pour ceux qui ont suivi. Oh, voilà, en plus il y a les crédits, c'est magnifique, quel timing. Merci à ceux qui m'ont suivi sur cette série un peu débile, je dois l'avouer. Ça n'avait pas beaucoup de sens, mais bon, j'espère que ça vous a fait un minimum rire, ça vous a un minimum distrait. Et ben je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, de vraies aventures cette fois, pas seulement des vacances. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine, salut.